Mam se tient ton vui. Mam na tout mon combat wena. Kouma l'or polé, kale toye, kale toye. Et mam se tient ton vui. Mam na tout mon combat wena. Kouma l'or polé, kale toye. Kale toye, mam sentye ton vi. Mam sentye ton vi. Mam na tou mon komba wena. Kouma lo pole. Kale toye, kale toye. Ibe si yon fa mam sentye ton vi. Mam sentye ton vi. Mam na tou mon komba wena. Kouma lo pole. Bibi gali kufang antume, ti vim ya wameno, bala kuma lor pole, kale twaye, kale twaye, mam sentye ton vi, mam sentye ton vi, tume, mam na tuma koba we. Song on to man e pupelom ti wakat lord amen bibi ali ko fang to me ti cholom benindare zari ko fang to me ti cholom benindare bala ku alor pore kale toye kale toye mam se te to wi Man, too.
You are my God, you are my Lord, I give you glory. You are my God, you are my Lord, I give you glory. You are my God, you are my Lord, I give you glory. Oh,
malais Jésus. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oh, manais sinoro, manais sinoro, sinora ne wena, sinora ne Jésus. Fils de Dieu, il est fils
se manifester. Par ça, je te dis que si tu crois, tu verras sa gloire se manifester. Mon frère, je te dis que si tu crois, tu verras sa gloire se manifester. Papa, je te dis que si tu crois, tu verras sa gloire se manifester. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut lever la main comme ça? La gloire du Seigneur Jésus. La gloire du Seigneur Jésus. Jésus, tes enfants t'adorent ce matin. Tes enfants te louent ce matin. Ils confessent leur bouche que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu es Seigneur. Et tu vis d'éternité en éternité. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Et devant toi, tout genou fléchit. Et toute langue professe que Jésus est Seigneur. Alléluia! Alléluia! Je ne peux pas, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas, 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 je ne peux pas lâcher Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas laisser mon Jésus. Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. À Jésus, même qu'à toi, même qu'à toi, même qu'à toi, passe à Jésus, même qu'à toi, 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 même qu'à toi. Tourne en toi,
Nous allons travailler. Nous allons travailler. Nous allons travailler. Parce qu'il y a une rétribution au paradis. Pas de flag. C'est la vérité. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si tu sèmes en quantité, tu récolteras en quantité. Et si tu ne sèmes pas, la saison prend fin. Mais tu n'auras rien. Et il faut que tu ailles au marché acheter. Tu ne peux pas aller dans ton champ et récolter. Parce que c'est le moment, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Travaillons. Travaillons. Un temps vient. Et nous serons rétribués. Et nous ne pourrons pas en charger. Et nous en dirons de joie. Alléluia. Alléluia. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est la journée des médias. Ça devait être la semaine passée. Mais nous avons pris du temps pour mieux organiser cela. Pour que chacun puisse œuvrer. Environ 54 ans aujourd'hui. Assemblée de Dieu, c'est Burkina, Zamsame, tout le monde croit à Radio Ramba. Les assemblées de Dieu de Burkina ont appris à prêcher la bonne nouvelle à travers les médias. Il y a 54 ans aujourd'hui. Et nous savons que prêcher la bonne nouvelle à travers la radio, c'est une chose très importante. Et aujourd'hui même, nous sommes dans la télévision. Et aujourd'hui, l'Assemblée de Dieu a un studio de télévision. On monte quoi à la télévision. Et nous prêchons l'évangile à travers la télévision. Il y a tout le monde. C'est le temps du travail. Il y a ton frère qui est tout. Et cela nous revient à chacun de nous. La ronde à ton son ton corps, t'es le cafard. Et aujourd'hui, c'est un temps que nous accordons à tout le monde afin que chacun puisse semer dans la joie. Il y a un saut, c'est encore ce Vim Kwaira, directeur Toboa. C'est pour cela que le président de Vim Kwaira est là au milieu de nous. Le directeur de Vim Kwaira est là. En passant, CVK LVD. Et CVK LVD aussi est représenté. Je vais leur donner un temps. Et pour qu'au moment des offrandes, et quand vous allez donner, vous savez pourquoi vous donnez. Et vous savez que vous semez pour récolter au ciel. Pasteur Michel Kwala. Donc le pasteur Michel Kwala. Bam ya Kudusul ma président. Il est le président de la région de Kudu. Depuis des années. Et là, il travaille avec toute sa force et toute son intelligence. Mais avant qu'il ne devienne le président de la région, et depuis des années, il dirigeait l'émission Vim Kwaira. Il enregistre l'émission de Maka en Kenya, Liberia. Radio Eloa, alors, il faisait les enregistrements ici et il les envoyait au Liberia avec Radio Eloa. Là, on a tourné Radio Nationale de la Haute Volta. Et en ce moment, il travaillait dans la Radio Nationale de la Haute Volta. Il envoyait les émissions à la Radio Nationale. Un décret émission de la Radio Nationale. Voilà. Deneyinga. Et jusqu'à aujourd'hui, il est là-dessus. Et Alléluia. Alors, bien que nous ayons installé RED à Kudugu, nous sommes en train de nous atteler à installer une autre station radio pour qu'il n'y ait pas seulement l'enregistrement, mais qu'il y ait la diffusion à Kudugu et au-delà de Kudugu. Pasteur Michel Wéré, tu vois comme Radio Hamman, tout le monde a Burkina Faso.
Donc avant que CVK ne vienne, nous allons donner la parole au pasteur Michel Kwala et pour qu'il nous décrive brièvement ce que la radio fait à travers le Burkina Faso. Merci et bienvenue. Gloire à Dieu. Barkouina. C'est avec un très grand plaisir que nous sommes là ce matin pour célébrer ce culte avec vous et vous parler brièvement des activités de la radio et de la télévision. Nous rendons grâce au Seigneur pour nous avoir utilisé pour ce ministère de la radio et de la télévision. Comme nous venons de chanter, nous travaillons avec Dieu et pour Dieu. Et nous voulons vous inviter à vous investir dans les médias. Car ce 21e siècle, ce sont les médias qui sont en train de prendre le dessus sur toute activité. Et nous nous rendons grâce au Seigneur pour cette célébration. Et le remercie le président de nous avoir donné l'occasion d'être là ce matin. Et nous disons merci à toute l'Église. Et à toutes les associations et structures de cette église. Depuis que la radio s'est installée à Koudougou, et nous avons certainement pu faire propager beaucoup de nos émissions à travers le monde. Nous avons beaucoup de témoignages par rapport à ce qui a été diffusé dans les temps. Et beaucoup de personnes se sont converties. Nous ne sommes pas à mesure de donner le chiffre exact. Mais ce sont des milliers qui se sont donnés au Seigneur. Et parmi eux, il y a des serviteurs de Dieu. Et nous disons merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de toucher les hommes et les femmes par le moyen de la radio et de la télévision. Et grâce à vos soutiens, ce travail puisse encore continuer de plus belle afin que des âmes puissent être sauvées. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont engagées à nous soutenir par tous les moyens pour que l'évangile soit prêché en plusieurs langues. Nous l'avons fait au Libéria et nous continuons de le faire. C'est bien vrai qu'une radio, une nouvelle radio sera implantée à Koudougou. Je suis déjà prêt. Tout est déjà prêt. Enfin, je sais que ça, mais... Il suffit maintenant de commencer les activités. Et nous sommes en train de travailler pour cela. Et d'ici là, le travail va commencer. Et nous demandons vos soutiens. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et nous demandons votre soutien. Et cette journée qui est consacrée pour les médias, c'est une bonne chose. Et nous devons participer. Non seulement par nos dons, par vos encouragements et vos conseils. Donc je vous remercie pour tout ce qui sera fait pour cette journée et demandant à ce que chacun puisse le faire pour la gloire de Dieu. Ne le faites pas pour des hommes. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et nous allons dire merci à tous ceux qui vont participer. Que ce soit ici ou ailleurs. Ce n'est pas seulement la journée que nous attendons. Nous attendons vos visites, vos dons et tout ce que vous pouvez contribuer pour l'abonnement de ces médias. La prière est que le Seigneur vous bénisse. Que vous apporte sa paix.
afin qu'à travers ces émissions, que nous puissions contribuer à faire la paix dans le pays, et aussi pour le salut des âmes. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix, sa bonté, sa miséricorde, et vous enrichisse pour la gloire du nom de Jésus. Bah, Jésus yura wawor yinga. Merci. Ibaraka. Barkwenam. Gloire à Dieu. De Moussa, saya tuwena mal ton zinoro. Alors si Dieu nous a fait grâce et nous avons quitté la radio pour la télévision. Et nam basameti irbabiga sid gomne. Bamba la télévision à Torsora. Alors nous allons laisser la place à notre frère Sid Gomdi qui est le responsable de la télévision. C'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui travaille pour Dieu de tout son cœur. Et nous sommes contents de lui. Il a une vision. Et l'heure va avancer. Mais ne va pas reculer. Télévision à alors, il va nous entretenir brièvement sur la télévision. Gloire à Dieu. Barakouena. Gloire à Dieu. Barakouena. Les animateurs ont déjà résumé l'ensemble de mon message. Une chanson disait que il fallait que nous travaillions pendant que nous sommes en vie. Parce qu'après la mort, nous ne pouvons plus rien faire. Je voudrais dire merci à l'ensemble de l'Église, à travers son premier responsable, qui est en même temps le président du Conseil général, pour leur soutien. À la suite du directeur de radio Vim Kwaera, voilà Vim Kwaera, tout ça, c'est un des gommes pour s'y embouiller. Au niveau de la télévision, nous essayons d'avancer en défi des difficultés. Mais maintenant, pour la bande, il y a la télévision à Weng. Pas de Zulus Kabe, Zulus B, mais la base que ton Kedin Kenga Taoli. Ce que je vais dire qui est assez important à ce jour, c'est que nous sommes en train d'évoluer vers une télévision numérique terrestre. Non, pour dire qu'il y aura un bouquet national sur lequel nous allons pouvoir couvrir l'ensemble du pays. Ok. La télévision, et ça va peut-être se passer entre fin 2016, peut-être début 2017. Et on pourra justement couvrir l'ensemble des provinces de notre pays. La première année sera entièrement gratuite. Mais après un an, il faudra payer des millions. Parce que je crois que ça va tourner autour de 100 millions. Par an. Oui, 100 millions par an. Donc ça, c'est un grand défi pour l'Église. Parce que si après un an, nous revenons encore à Ouagadougou seulement, ça sera une honte pour notre Église. Mais je ne pense pas que quelqu'un de vous, en tout cas, voudrait que nous soyons dans cette honte-là. Et quand j'encourage les uns et les autres à soutenir, c'est pour ceux qui sont comme moi, qui ne savent pas parler, par exemple. Comme on ne peut pas parler, on finance la télévision, elle parle à votre place.
Parce que la télévision ou la radio rentre là où chacun de nous ne peut pas forcément y aller. Bah la télévision et la radio a qui est dans Zininga, ton son patron qui wakat fanaye. Et pour vous raconter, dire un témoignage, il y a des gens qui se convertissent de façon clandestine. Cassette ou yat ne vous succombe en solo de mengandi kadamen kontwena. Parce qu'ils gardent caché leur foi. Parce que s'ils doivent le mettre dépouillé au grand jour, ils seront forcément persécutés. Donc, nous nous organisons chaque fois pour prier pour ces personnes qui viennent clandestinement au niveau de CVK LVD. La tonne yon comme d'abtoumati, ni kouin sa bour sans wat CVK LVD, beton pam ne bala wire pour obram yinga. Donc je vous encourage à soutenir. Dal ton paradigme d'aude de 20 et le tourne. Toto disait un jour de poser la question à son maître. Kalembiga yur son bota Toto soka a karansamba dara yemri. Est-ce qu'on peut punir quelqu'un pour une chose qu'il n'a pas faite? Elin yinga, tu es si net, tapaman boum kay. Le maître dit non. Tikar sa meti ayo. Il dit je n'ai pas fait mon devoir. Personne ne va vous punir si vous ne réagissez pas. Mais c'est pour dire qu'il y a de la récompense. Il y a beaucoup de bénédictions. La semaine dernière, nous étions en train de faire la journée de la Vima. Et on a ramassé une pièce dans la salle de 250. Ils ont décidé de reverser ça au niveau des offrandes. Et à la fin, il y a ma petite fille qui s'approche pour dire que les 250 là c'est pour elle. Et quand nous sommes sortis, elle vient dire gloire à Dieu que Tanti m'a donné 500 francs. Donc ça veut dire qu'elle a été bénie en même temps. Vous serez bénie. Et toute la gloire revient à notre Dieu. Amen. Amina. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. On accorde panda. Que Dieu nous donne la force d'agir. Et que Dieu nous donne de vrai pendant que nous sommes vigoureux. Et nous allons nous asseoir un tout petit temps. Choral, écoutez les chorales.
Oh,
Tant de bénédictions. Que cela soit la réalité pour le nom de Jésus. Le groupe musical. Que chacun fasse quelque chose pour Seveka. Que personne ne retourne à la maison sans honorer Dieu. Et tenez-vous debout pour recevoir la grâce. Tenez-vous debout. Avant d'entrer dans l'adoration de Dieu, nous allons l'adorer à travers nos biens. Après cela, nous allons aller dans la louange. Mais avant ce temps, nous allons le louer à travers nos richesses. Oh, Wahamanati, Siabonga. Wahamanati, oh, Wahamanati, oh, Wahamanati, Siabonga. Wahamanati, oh, Wahamanati, oh. Wahamanati, Wahamanati, Wahamanati,
gigopole. Kusabaka. Kusabaka Jésus. Kusabaka. Kusabaka. Et nous marchons comme les soldats du Seigneur. On y va ensemble. Maintenant, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Là, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour celui-là qui va nous parler de la part de Dieu. Docteur Adama Ouedraogo. Je vous ai dit qu'il s'agit du docteur Adama Ouedraogo. Ninkanga ya neda. Natiela meti Burkina Faso kata province en kata nerembe. J'aimerais dire que c'est quelqu'un qui est connu de partout. Il n'y a pas quelqu'un dans une province de Ouagadougou. Enfin, il n'y a pas une province dans le Burkina où il n'y a personne qui dira qu'il ne connaît pas le docteur Adama. Parce que tous les chrétiens qui vont à Abidjan savent qui il est. Et lui et son épouse et tous les enfants qui leur ont été confiés aiment Dieu de tout leur cœur. Automatiquement communique dans mes faux nénébasoukafo nous et si tu aimes Dieu
automatiquement, il y a une communication entre toi et tes semblables. Gloire à Dieu. Barakwena. Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue bien aimés frères et sœurs au nom de Jésus. Pour et dire combien nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Et je voudrais avant tout dire merci au président Michel, docteur Michel Ouédraogo. Parce que nous sommes bons pour ça, docteur Michel Ouédraogo. Qui nous a fait cet honneur. Nous sommes contents de nous en nous invitant ici. En consenti de Wakano. Et ce que nous avons entendu. Je veux parler de tout ce que le Seigneur a permis que nous entendions dans ces différentes interventions. Vraiment, nos âmes ont été bénies. Et nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, Président. Avec tous les collaborateurs pasteurs, les collaborateurs diacres anciens, et tous les responsables. Voilà, sans plus tarder, ouvrons dans le livre du deuxième roi et nous lirons les six premiers versets. Il y a quelque temps, je parlais de cela à Abidjan, en montrant qu'il y a plusieurs leçons bibliques que nous pouvons tirer de ce récit. Et je bénis le Seigneur pour la journée qui est dédiée aux médias. Oui, les médias qui sont au service de Dieu. J'ai eu le privilège de prêcher plusieurs fois à Vim Kwega, Chant Joyeux. Depuis les années 70, depuis le temps de missionnaire Dan, le missionnaire Dan Wakate et le directeur Michel Kwala, la torsoba c'est Michel Kwala, me témoigne beaucoup de son amitié. C'est William Longlomé. Et je suis très heureux de le retrouver ce matin. Oui, CVK aussi. CVK, mais. J'ai eu l'occasion d'intervenir il y a bien des années de cela. Et je voudrais saluer le responsable avec tous les membres de l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Alors voilà ce qui est écrit dans deux rois. Un récit que nous connaissons tous. Il a dit ceci. Les filles des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. L'un d'eux dit, consent à venir avec ses serviteurs. Il répondit, j'irai. Au verset 4, il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il est emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de fer, de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Bam ta Jourdain kologa nolan kera de be
La nida yemre senkel tira à l'arabara men en lui kouma pouin. Ta kelman yelia. Kacho karansamba. Mamda kosa laran. Wenamda wa soka men. Tilara lui ye. La yen wilga a Saint Louis ninga. Wenamda wa kira laoro. En lobe be. Tilara rook kouma zugi. Nye ye la men. Ta yara. La terre à nouveau en yara. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole pour nous. Merci pour la prière. Progresser toujours avec le Seigneur est le thème. Progresser toujours avec le Seigneur dans tous les domaines de la vie chrétienne. Il s'agit bien de cela. Et comme je l'ai dit, c'est un récit que nous connaissons bien. Élisée avec les fils des prophètes. C'est avec lesquels il vivait au quotidien. Et la parole de Dieu était enseignée. Parce que cela semblait être une école où l'enseignement était donné par Élisée. Et les fils des prophètes nous représentent, je dirais cela. Car nous sommes des fils et des filles des prophètes. Dans le sens où nous sommes de ceux qui permettent aux gens de connaître Dieu. Les prophètes sont ceux qui parlent de la part de Dieu. Et il est dit qu'ils étaient là. Et c'est eux qui ont attiré l'attention de leur maître en disant que le lieu sur lequel ils se tiennent est devenu étroit. L'espace ne les suffisait plus. Cela veut dire qu'ils avaient des bénédictions au point qu'il faut penser élargir ou agrandir. C'est là que je parle de progresser. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes appelés à grandir, à se développer, à s'accroître dans la grâce de Dieu. Et il est dit ceci, que ces fils de prophètes ont souligné là où ils étaient assis. Ils étaient assis devant Élisée. Ils étaient assis pour écouter la parole de Dieu. Je dirais comme vous le faites maintenant. Et quand on parle de la position assise, c'est une position équilibrée. C'est une position stable. C'est une position inébranlable. Et quand on parle de la parle du Seigneur concernant la vie chrétienne, c'est un chrétien qui est assis est un chrétien qui est enraciné dans la parole de Dieu. Est un chrétien qui n'est plus, se laisse plus flotter à tout vent de doctrine. Un chrétien qui sait en qui il a cru. Un chrétien qui sait en qui elle a cru. Et qui s'attache à ce Seigneur-là. Et Élisée rendait bien, disons, accomplissait bien sa mission. Et quand ce constat était fait, Élisée n'a pas trouvé d'inconvénient. L'Écriture nous dit, ils ont dit ceci, allons jusqu'au Jourdain, et chacun va prendre une poutre. Chacun va prendre un chevron pour permettre de bâtir
Yira. Une maison plus grande. Un espace plus adéquat. Pour permettre à ce que chacun soit à l'aise. Et dans la vie chrétienne, nous devons être à l'aise. Lorsque nous sommes assis dans le Seigneur, on peut être à l'aise. Et c'est la contribution que nous devons faire. Apporter. La net face en torrent ou en tout n'a tout n'a pas. Il n'a eu de rien. En ce jour, Darankanga, la journée des médias, c'est la média en bas d'Aran. L'appel a été lancé. Abloba Boula. Les offrandes ont été faites. Non, l'homme qu'on est comme ça a été dit. La yé la main. Encouragé à travailler. Et puis, pas m'dou de t'y kent tourner tout. Travailler. T'y kent tourner tout. Pour que après la récompense viendra. T'y l'en zougué qui aura na yoron. Et vous voyez ce que les filles de prophètes ont dit. Et yam yam la prophète l'amba kamba si n'ore va kam yéle. Ton nan kien la main. Et chacun va prendre une poutre. La net fan andi karaoro. Chacun va prendre une poutre. Net fan andi karaoro. Chacun va contribuer. Net fan andi nganou. Chacun va participer. Net fan andi kien sakarga. Selon ses moyens. Selon ses capacités, selon ses talents, pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Alléluia. Nous avons reçu des talents. Vous le savez très bien. En tant que chrétien, nous avons reçu de la part du Seigneur quelque chose. Et nous le faisons valoir pour la gloire de Dieu et pour l'avancement du règne de Dieu. Dieu a qualifié nos frères et nos sœurs. Dieu a qualifié nos frères et nos sœurs qui nous ont tout à l'heure. En tout cas, gratifié de tes belles chansons. Winam Sidninga, ton baby pour la bibra, baracte, taiton, yila. Ce merveilleux groupe musical. Sulkonga Santa Rasana. Ça, c'est dans des hommes et des femmes talentueux. Ya parabola ropa winam san. Et qui mettent cela au service de Dieu. Nous hommes et femmes des médias. La tonne parabole de l'opas en tonne médias de ma poussin. Contribuent à leur manière. Net fin, tout le monde a son tonteka. À l'avancement du royaume de Dieu. Tu m'en as sol ma tonteng taoli. Par les qualifications qu'ils ont reçues. A ne kouni sabam sandir. Chacun prendra une poutre. Net fin, en dit karao. Chacun mettra, comme on le dit, la main à la patte. Voilà, sami, et ton net fin, en n'y a noubé. Chacun doit travailler et travailler pour le Seigneur, travailler avec le Seigneur, ne le jamais en vain, quand la récompense elle est là. C'est avec les hommes qu'on travaille et qui peuvent nous décevoir. Ne fait pas tout ma tourne. Et qui peuvent ne pas nous donner notre dû. Oh, voilà, toi, tu perds pas contre nous qui aurions dû. Travailler pour la cause de Dieu. Là, tu es tout moins n'amnyinga. Nous recevrons même au-delà de ce que nous avons fait. Ton andira, hein, y ton somme. Alors, bien aimé, je vous encourage. N'ingamba, bien, on s'est pas, là, y'a mal à vous. Continuez à contribuer. De qu'en taoré, ne couni, là, ne sombré. Contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Ne fait qu'un sa nous, moins n'amtoum, la torche n'a rien. Chacun prendra une poutre. Ne fait un andikarao. Que chacun prenne. Et qu'on ne se retire pas. La mais qu'on avance. La et l'œuvre de Dieu ne souffrira pas. La les médias ne souffriront pas. Médias les médias pourront continuer le travail. Et ce qui a été fait ce matin, la bonne se nous avons la possibilité encore de le faire. Je vais parler d'une autre possibilité. Mais n'hésitons pas de le faire. Et Dieu nous bénira. La ah oui. Les filles des prophètes, ils ont voulu aller, mais comme c'était des gens qui connaissaient Dieu, qui craignaient Dieu, et qui avaient les responsables spirituels, dans la personne du prophète Élisée, ils ont voulu d'abord avoir son assentiment, son accord. Et en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous devons entreprendre pour notre vie, il est très important. Et je ne vous apprends rien en le disant. Nous devons chercher à connaître
La volonté de Dieu dans toutes nos entreprises. Chercher à savoir la volonté de Dieu. Que ce soit dans la carrière que vous allez embrasser. Que ce soit dans le domaine du mariage. Que ce soit dans le domaine des affaires. Il est bon en tant qu'enfant de Dieu de chercher à connaître le plan de Dieu. Particulièrement dans le domaine de l'œuvre. Alors, Élisée a donné sa bénédiction, comme on le dit. Élisée, que c'était pas suffisant. Élisée a dit, allez. Élisée, il a dit, allez. Mais l'un d'eux a dit, Seigneur, je sais pas. Consent à aller avec tes serviteurs. Bisakya nyartondo. Consent à aller avec tes serviteurs. Bisak nyaretondo ba. Ils savaient, ils avaient sa bénédiction, comme on le dit. Et si tu voulais pas manger, ils disaient non. Mais bien plus, ils voulaient sa compagnie. La seigneur d'abord a tamta zin ne bamba. Leur Élisée, le prophète Élisée. Ah Élisée, c'est à moi d'amener ça. Ils voulaient sa compagnie. Abord a tamti rokang nyar bamba. Et c'est pourquoi ils ont demandé à ceux qui les accompagnent. Élisée, notre Élisée par excellence. Ton Élisée, c'est qui? Ton Élisée, ouais, y'a Anna. C'est le président Dr Michel Ouedraogo. Y a président Dr Michel Ouedraogo. Aïe, aïe, non. Notre Élisée par excellence. Ton Élisée, y'a son manière. C'est Jésus Christ. Y a Jésus Christ. C'est Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ. Et dans notre désir la tonne ratma fin pour un, d'avancer, de, king taura, de progresser, de yidra, nous devons pouvoir dire de ton yidra, Seigneur, je sauve, consent à être avec moi, bis, à être avec nous, bis, à nous accompagner. Nyado. Et vous savez, si le Seigneur nous accompagne, nous avons les résultats ici, ils arriveraient tout à l'heure. Et avant de terminer, les résultats bénéfiques du fait qu'il était présent. Et cela est important. La yon est à la kasangira. Que avoir la compagnie du Seigneur. De pam zusoba nyangri. Ça permettra, sinon ça évitera. Anan songwa wala nan kitame. Bien des pleurs. Tinintam lakambasondo. Bien des larmes. Nyabalu wuso zanga tondo. Des échecs dans la vie. T'es pas tombé d'une vie m'apora. Si nous avons le Seigneur avec nous. Ton santar zusoba netondo. On éviterait bien souvent des gémissements. Nor wuso. On évitera bien des échecs. Et beaucoup d'hommes et de femmes échouent. Malheureusement, certains chrétiens mal affermis ne comprennent pas que quel que soit leur âge de conversion, quelle que soit leur compréhension, ils ont besoin de la présence du Seigneur avec eux continuellement. Heureusement qu'il a promis. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais si on ne veut pas s'accompagner, il ne nous accompagne pas. Si nous faisons des choses qui font que le Seigneur ne peut pas nous accompagner, c'est certain qu'on a beau réclamer, mais il ne va pas nous accompagner. Souvent, il y a des chrétiens qui ne font pas attention. On ne peut pas ici, mais c'est à Abidjan. Ils vont dans certains endroits où le Seigneur ne peut pas les accompagner. Et ils rencontrent des difficultés. Mais on a raconté une histoire peut-être que vous avez lue quelque part. D'une jeune fille chrétienne. Qui aimait certains plaisirs, certaines sorties, comme on le dit. Et sa maman est une chrétienne affermie. Ta maman est une chrétienne affermie.
Alors quand elle veut sortir, elle s'habille et elle s'approche de sa maman et dit, est-ce que maman je peux porter cet habit-là? Je ne sais pas s'il vous arrive que vos filles vous demandent ça avant de sortir. Maman, est-ce que je peux porter cette robe? Et sa maman qui est une bonne chrétienne. Regarde-toi bien dans le miroir. Si Jésus peut t'accompagner, allez, tu peux porter. Jésus et comme c'est bien souvent des robes qui ne sont pas, comme on le dit, comme s'il n'y a pas suffisamment de tissu. Alors c'est là un compte qu'effectivement ce n'était pas d'une manière digne d'une jeune fille chrétienne. Alors elle va changer carrément. Mais il est important de le savoir. Être que le Seigneur consent à venir avec tes serviteurs. Et c'est à dire juré. Et le Seigneur se plaît à nous dire, comme il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il va dire, jurez, je viens avec toi. Mon fils, ma fille, je vais t'accompagner. Et ils sont partis. Et l'Écriture nous dit, il était en train d'abattre les arbres pour prendre de chacun et sa poutre. Et il y avait un jeune homme certainement robuste, fort. Mais souvent on manque souvent de la fougue, on manque souvent de certaines prudence. L'Écriture nous dit qu'au moment où il est en train d'abattre l'arbre, avec une hache, il a dit que le fer de la hache s'est détaché et est tombé dans l'eau. Une hache, vous le savez tous, nous sommes des enfants, des paysans. Enfin, bien, à l'exception de certaines personnes. Une hache, c'était un manche, un bois. Avec un fer. Et c'est le fer qui pénètre, qui coupe. Et si le fer reste comme ça, il ne peut pas travailler. Et il faut mettre le fer au bois, au manche. Et c'est pour que ça devienne une hache. Et c'est là qu'il a utilisé. Et le fer est tombé. Et il n'avait à que ses mains que les boucles. Le bois. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Le fer et le bois forment la hache. Oui, c'est bien cela. Et le fer et le bois formant une hache. La coûte ne permettez que je vous dise que ça représente nos vies. Ma vie. L'Écriture nous dit dans Genèse 2, verset 9, chapitre Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et il a soufflé dans ses narines et souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante. Le fer et le bois qui forment la hache, la poussière, nous sommes poussières. Et le souffle de Dieu qui a permis que nous soyons ce que nous sommes avec toute la valeur que nous représentons pour nous-mêmes, pour notre famille, pour notre église, pour notre société. C'est parce que c'est le souffle de Dieu qui est venu de Dieu. Et c'est pourquoi le jour où on
rend l'âme. Il y a rien sauté d'arning à ton sanawa yiduni. C'est la séparation. Il y a welleré. Le souffle avec la poussière. Te fousmana welleré ne tengatom. Et le souffle se retire. Te fousma yi. Et on retourne la terre, la poussière à la poussière. Tabri que toman le tomon. Mais en attendant, la sentengrena. Nous sommes de ces hommes et de ces femmes qui vivent. Ton ya parabala rob son fi. Si nous connaissons Dieu, ton sami wena, notre vie a un sens, une valeur. Ton nous vie matarayon do tara vonre. Si nous ne connaissons pas Dieu, la ton sampa mi wena, notre vie est autre chose. Ton vie maya bumbato. Alors cela est vrai. Bon quand ya sida. Mais cet homme qui abattait cet arbre et que le fer est tombé. La rokonga na kitira tilara baran lui. Comme je vous ai dit, qui représente la vie. Voilà monsieur tiara mama ta vima. C'est tombé où? À lui hein. Dans l'eau. Comment hein? Dans l'eau. Comment Allah lui a. Il est vrai qu'il est parlé du jour, l'eau du Jourdain. Mais d'une manière générale, l'eau représente plusieurs choses. Mais ce que l'eau représente, la, et qui ici trouve son sens, c'est le monde. Il y a Duniwa. C'est le monde. Il y a Duniwa. Ceux qui sont allés vers. En Côte d'Ivoire ou au Togo ou ailleurs. Côte d'Ivoire, Togo, Zingato. Ou d'autres endroits. Voilà, Zingataba. On peut voir la mer. Si vous arrêtez devant la mer. Et que vous voyez les vagues. Qui se soulèvent. Qui agitent. Nous pouvons comprendre ce que le Seigneur, l'Écriture nous dit. Comment Jésus était dans la barque. Voilà, Jésus n'avait quoi encore le la tempête et les vagues ont balotté à commencer à sombrer. Et que les disciples ont réveillé Jésus. L'eau, la mer, représente le monde. Et dans le monde, il y a bien des vies qui sont perdues. Dans le monde, il y a bien des vies qui sont égarées. Dans le monde, il y a bien des vies qui sont ruinées. Dans le monde, il y a bien des vies qui sont au désarroi. Et quand on n'a pas le Seigneur, on perd dans le monde. C'est l'image de ce qui est arrivé à ce jeune homme. Parce que le jeune homme, il a crié. À qui le maman? La hache a été empruntée. Elle ne m'appartient pas. Certainement, c'est trop cher pour qu'il puisse l'avoir. Et il était paniqué. Tu l'as bien qu'un. Elle n'est pas à moi. Pas même sola raye. Je l'ai emprunté. Empenga mais. Quelqu'un d'autre me l'a prêté. Nidal ton de calne non comment. Et il était là. Nala yaha mais. Il a compris ce que je voudrais que vous saisissiez. A banga boninga vor mam ndati yam. La vie que tu as. Vim ninga vos santala. La vie que j'ai. Vim ninga mam santala. La vie que nous avons. Vim ninga ton santala. Nous a été simplement. Prêté. La vie appartient au Créateur. Si on a le privilège de connaître que cette vie ne nous appartient pas, on prendra soin de cette vie-là. Et prendre soin de la vie, c'est de pouvoir la confier à Dieu. Le jeune homme a dit, elle m'a été empruntée la hache. Et il y en a qui ne sont pas conscients que leur vie ne les appartient pas. Mais vous qui êtes là ce matin, vous le savez. Vous le savez. Et nous bénissons le Seigneur pour cette connaissance. C'est Dieu qui nous a prêté cette vie. C'est pourquoi dans Ecclésiastes 12 il est dit. Jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse. Vive ton cœur à la joie. Marche selon les voies de ton Seigneur, le regard de tes yeux. Mais que pour tout cela, un jour Dieu te demandera, tu viendras en jugement et Dieu te demandera des choses. Pour paraphraser, il y a rien. Nous le savons.
Ton mimi. Alors le jeune homme m'a dit, il m'a été emprunté. Bibi gaye la main, mpinga main. Elle ne m'appartient pas. Pas ma mensoye. Et il fallait une solution. Andalam to bao team. Mais la solution, il l'avait pas. La rapata la team ye. La solution, il l'avait pas. Yeminga la patala team. Ses camarades ou ses compagnons ne l'avaient pas. La tundunta se me la patala yin la team. Heureusement. La zunora. Heureusement. Zunora. Heureusement. Zunora. Je ne sais pas si c'est lui. Mais que tu nous dis pas, c'est pas le tondo. Ou quelqu'un, en tout cas quelqu'un d'autre. Voilà, ni la tonda tonse. Qui a dû dire à Élisée, consent à venir avec nous. Mais ça qu'ignore tondo. Heureusement, Élisée était là. Ah, Élisée la bébé. Alléluia. Alléluia. Heureusement, Élisée était là. Zunora, Élisée la bébé ne va pas. Comme lorsque les apôtres étaient dans la barque et que Jésus était là. Voilà, car Misa n'a pas encore le rapport à Jésus bébé ne va. Lorsqu'il y a eu le problème, Jésus s'est levé. Zulé ça son ouam pour que Jésus y came. Jésus a menacé le vent et la tempête qui se sont arrêtés. Jésus comme ne se voit ne connu la tempête la piscine c'est le. Et le calme est revenu. Ils ont vu que Jésus est Dieu. Ni même ta Jésus a ouin là. Lorsque Jésus était invité. Au nom c'est de Cana. Absanwa, quoi ça Jésus t'a Cana sous nos rails qui vous savez ce qui s'est passé? Il y a mis bon ingasam pio. Il y avait un problème. Zulay ranzindi. Heureusement Jésus était là. La zunora Jésus la bébé. Marie s'est adressée à lui. Quand on s'est adressé à Marie. Tiens, attends comment est Marie ta Marie comme Jésus. Et une solution a été trouvée. La pâme est latée. Ce qui manquait Jésus par sa présence. Bon ingasam d'apport à Jésus la bébé. Un miracle a été opéré. Bon man man eh. Et puis la fête a continué. Qui me sait quelle chance t'as la présence de Jésus avec nous. Jésus Bill mané tondo. Ça donne des solutions à nos problèmes. À Watané tondo Zulé ça ti. Peut-être que tu as des problèmes. Toi tu fais zine Zulé. Qui te dépassent. Yit faut. Mais si tu as Jésus. La force en t'as Jésus. Il faut savoir se tourner vers lui. Il faut savoir faire appel. Bibang ti poula. Il faut savoir s'adresser à lui. Il faut bibang ti gomne. Il faut pouvoir lui confier votre problème. Dalam ti ton di que je lui sans quoi. Élisée. Il a simplement dit. Ayelambala. Où est-ce que le fer est tombé? Ya yenan la la han lui wa. Où est-ce que le fer est tombé? Ya ye la la han lui wa. Heureusement, le jeune homme savait. Il a indiqué l'endroit. Il le savait. Il est tombé dans l'eau. Il a montré l'endroit. Élisée, en tant qu'homme de Dieu, je suis Dieu représentant notre Élisée par l'excellence de Jésus-Christ. A agi. A intervenu. Et que tu nous dis qu'il a coupé un bois. Il a regardé là où le fer est tombé. Et il a jeté le bois là-bas. Et l'écriture nous dit que le fer contre la loi de la nature ou la loi naturelle physique, le fer est revenu à la surface. Le fer qui était tombé, perdu, est revenu à la surface par miracle. Oui, en bravant les lois de la nature. Les lois de la pesanteur, comme on le dit. Ça, c'était un miracle. Un miracle, par définition, c'est lorsque Dieu, pour une raison que lui seul connaît, il agit en suspendant les lois de la nature contre les lois logiques, comme on pourrait dire, la logique humaine, pour que le miracle se produise, pour faire surnager le fer. C'est un miracle, mais le Dieu des miracles est encore là. Alléluia. 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 Alors si, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'achemine vers la fin. Si l'eau représente le monde, si le fer qui est tombé représente la vie des hommes qui sont perdus, là, la sambara, le koma, sambam, c'est vim, ni sa neba vim, sambienama. Dites-moi, que représente ce bois que Élisée a jeté? Sans yanéyamba.
Selon vous, c'est quel ce bois? Quelle est l'image de ce bois ou cette. En entrant qu'on le crée. C'est la croix, merci. Il y a un piquant. Oui. La croix de Jésus. Il y a Jésus le piquant. Était plantée dans notre monde. Il y a plus de 2000 ans. Que la croix de Jésus est plantée dans le, notre monde. Jésus est monté sur cette croix. Il a été crucifié. Et la vie des hommes et des femmes. La parabole de vie. Perdu dans le péché dans le monde. Le miracle de Dieu. Par la conversion, la repentance et la conversion, alors ces vies reviennent à la surface. Et ma vie qui était au fond de la mer, de l'abîme, du monde, du péché, la croix de Jésus l'a fait soulever. Jésus l'a piqué à la surface. Et c'est la même chose pour ta vie, mon frère. Pour ta vie, ma soeur. C'est bien cela. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux ça? C'est un miracle. Une conversion, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, c'est Dieu qui convertit. Par le miracle de l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous avons expérimenté cela. La tonne. Et nous rendons grâce à Dieu. La tonne. Je termine en disant ceci. Le prophète Élisée a demandé à l'homme. Où est-ce que le fer est tombé? Vous savez, la plus grande question, une des plus grandes questions qui a été posée par Dieu à l'homme dans le jardin d'Éden. Alors que le péché a fait son œuvre dans la vie d'Adam et d'Ève et qu'il se cachait de la face de Dieu. Il est dit dans Genèse 3, verset 9. Dieu est venu vers Adam et Ève. Il a appelé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il a cherché des solutions ailleurs. Mais lorsque Dieu l'a demandé où il était, et qu'il est apparu avec Ève, en parlant des conséquences, bien sûr, du péché, il a trouvé une solution. Il a pris la. Tu es un mouton, en tout cas il a pris sa peau et les a couverts, alors qu'il s'était couvert avec des feuilles. C'est l'image, le symbole de Jésus-Christ. Représente Jésus-Christ. Représente Jésus-Christ. L'animal qui a été tué pour qu'il ait la peau. Voilà. Jésus-Christ. Et c'est cela que nous voyons la vérité de la parole de Dieu. Où es-tu? Et nous avons un jour entendu cette voix. Lorsque l'évangile nous a été annoncé et que l'appel a été lancé et que Dieu a demandé où es-tu? Moi, il m'a demandé. J'ai répondu et il m'a sauvé. La fin, Rama. Et vous êtes sauvés, vous qui connaissez le Seigneur. La yam fin, pas ma fin, parce que vous avez entendu, où es-tu? La yam soka. Et la deuxième question. Qui se trouve dans Genèse chapitre 4. Lorsque Adam et Ève ont eu leurs premiers enfants, Adam na awasam pa mo pipi biga. L'écriture nous dit que l'un de l'aîné, Caïn, a tué Abel. Et là encore dans Genèse 4 verset 9,
chapitre dans ce verset à Wei. La question était posée Sokra à Caïn. Soka à Caïn. Où est ton frère? Foya wa beyei. Où est ton frère? Foya wa beyei. Bien sûr, de l'essayer de raconter n'importe quoi. Asingam te gomme. Non, pas de suis-je le gardien de mon frère? Eh oui, tu es le gardien de ton frère. Ton frère, mon frère, nos frères. For yowa, mam yowa, ton yopa. Et nos sœurs. La ton le topa. En des mots, nos semblables. San angili, ton où ils sont? Obéyez. Dans le monde encore. D'une pour vie. Alors, après avoir entendu l'appel, où es-tu? Façon wa wum sokran sokran fo beyewa. Répondre et avoir la vie. En le ke en wa vie ma pora. Où est ton frère? La fo babiga. A besoin d'être aussi répondu. Sokoninga sokran fo babiga beyewa me atire. Tu es sauvé. Faut pas m'enfanger. Nous sommes sauvés. Ton pas m'enfanger. Mais où sont nos frères? La ton babisa beyewa. Peut-être les membres de votre famille. Twenty a yam zakaneva. Qui sont encore dans le monde dans le péché. Ton be du nouveau pour yelwena. Ou vos collègues de service. Voilà yam ton montasa. Ou vos voisins de quartier. Voilà yam yarsan. Ou vos camarades d'école. Voilà yam tour tasa école. Ou les collègues les étudiants. Voilà yam karimbita. Alors, où ils sont? Bambéye. Cette question so kanga, s'adresse à chacun de nous. Keten so kora, non fa nous sommes sauvés ton pa ma fa ale, pour servir nantume, et appeler les autres aussi à venir. La tibol, neba, taba, meto, le temps passe, je m'arrête là. Wakata, Lord, amnaya, saka, mais que Dieu vous bénisse. La bewena, mninge, baraka. Dieu nous bénisse. Wena, mninge, baraka. Et que le Seigneur soit avec chacun de nous. Jésus m'a enseigné. Alléluia. Wenam gomam. Dieu a parlé. Ya vendra. C'est clair. Wendoura katwen katwen. L'église ne peut pas faillir. Ton entour. Nous allons réussir. Balé enfin ratonda. Ton roi. Parce que celui qui nous a sauvés a vaincu. Bousta docteur Adama akwaira yinga. Je remercie docteur Adama pour la parole. Obrira la wenam nenga. Il a reçu de Dieu. Mampazine neban sonse yete runda ya média d'arrêt la marque monro hinkenda otoye. Je n'ai pas échangé avec lui par rapport à la journée d'aujourd'hui pour orienter son message. Mais Dieu a mis sa parole dans sa bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit de Dieu dit. Be assemblée de Dieu wendo ta fa wume. Que les églises, toutes les églises d'Assemblée de Dieu entendent. Que toutes les régions entendent. Que toutes les œuvres de l'église d'Assemblée de Dieu entendent. L'œuvre est devenue très restreinte. La cour est restreinte. Que nous voulions, nous le voulions ou pas, nous sommes obligés d'agrandir. Assemblée de Dieu en Burkina Faso. D'ici 5 ans, nous allons célébrer le centenaire de l'arrivée de l'évangile en Haute-Volta. Dieu a honoré son nom. L'œuvre est devenue restreinte. 2021. Avant 2021. Avant notre centenaire. Que Dieu révèle sa puissance avec nous. Que Dieu permette que l'esprit de crainte s'éloigne éperdument de nous. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous fortifie. Le temps des assemblées de Dieu est arrivé. Esaïe 70, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Car ton sauveur est là. Je suis là. La gloire du Seigneur rayonne sur toi. 2021. C'est le temps des assemblées de Dieu. Levons-nous et brillons. Que celui qui aime se lève. Que celui qui n'aime pas commence à gémir. Car nous sommes partis. Nous nous sommes levés. Nous avons commencé à prier. Nous n'allons plus nous asseoir. Pasteur Adama, merci beaucoup. Ce message vient de Dieu. Nous l'avons reçu comme venant de Dieu. Et je parle au peuple de Dieu aujourd'hui. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ce que Dieu dit. Que les œuvres entendent. Que la région entende. Que toutes les églises entendent. Que les fidèles entendent.
Sortez vos richesses et donnez à Dieu pour recevoir la rétribution et la récompense chez Dieu. Travaillez pour le développement du Burkina Faso. Parce que si le Christ se développe, l'église, si l'église se développe, le pays va se développer. Honorez Dieu. Et que le nom de Dieu soit loué et honoré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu as fait pour moi est grand. Par amour, Seigneur, tu m'as béni. Tellement tu m'as comblé de vie, Seigneur. C'est pourquoi je veux te glorifier. Ce que tu